Magnifique, on est en direct en plus. Ah ouais? Nice. C'était l'Empire Showdown que Hera avait win. Exactement, Gaspo. Alors, moi, la game se lance. Je sais pas si on est en même temps. Si, si. T'es à 3 secondes, 4 secondes, 5, Ouais, 6. c'est bon. Ah, ok, parfait. Et le pic birman sur Atakama. Ouais. Pour Hera. Il nous a fait une Mysterio, parce que c'est Mysterio hein, qui a été le premier à pick birman sur cette map-là. Intéressant à voir du coup s'il arrive à aborder le même plan de jeu. Et donc Atakama, on rappelle, map très agressive, probablement une des plus agressives, si c'est pas la plus agressive du map pool. Avec, comme vous pouvez le voir sur la minimap, hein, le bois, l'essentiel du bois qui est groupé au milieu, avec des tout petits bois. Très embêtant à récolter. Ouais, effectivement. Ça va ouvrir scout hein, des deux côtés, on peut le voir. Ouais. On le rappelle aussi, les Birmans n'ont pas forcément un très bon arbre technologique au niveau des archers. Il va leur manquer le plus 2 et donc le plus 3 de défense également. Qu'entend dire que c'est pas foufou quoi. Hein. Ouais. Notamment sur les tirailleurs. Hein. Par exemple, si jamais. Hera était amené à jouer tirailleur. On sait que l'armure est très importante sur les tirailleurs. Ouais. Alors qu'on rajoute l'archerie pour Hera du coup. Avec un or assez forward hein, qui va être une des priorités à défendre. Et c'est un peu le même principe pour Hera, qui est d'ailleurs en train de tranquillement entamer un wall, hein, justement devant cet or. Il y a quelque chose aussi voilà. à relever, je pense, c'est que au niveau des forêts, des grosses forêts en tout cas sur le devant de la map là, il est quand même vachement moins bien loti Hera. Hein, parce qu'on peut le voir, les forêts sont très fines en fait. C'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il est un chouïa plus proche que l'Irai. Donc de ce point de vue là, il y a moins de distance à parcourir. C'est vrai, c'est vrai. Attention les scouts là peut-être. Ouais ouais, Hera qui sait, il en reste une flight, ça micro bien. Ouais, très bien micro là pour Hera, qui va sniper deux scouts quasiment là, midlife. Par contre il en perd un lui. Il rééquilibre, on en tue un autre. C'est du 2 pour 1 pour le moment. Ah oh, ouais, ça micro bien les deux côtés. 2 pour 2. Et la recroite de l'Hera qui arrive un peu plus vite du coup. 2 pour 2 mais un petit avantage pour Hera du coup, qui en termes de vie sur le dernier scout vivant en aura plus. Ouais, mais on a quand même 3 scouts hein, pour l'Irai, donc ça reste à mes yeux plus intéressant. Et la report qui se fait attendre. Alors, est-ce que du coup on manquait de nourriture comparé au Slav qui lui. Peut-être ses fermes qui fonctionnent un peu plus vite. J'ai l'impression. Non, on n'a pas pris de truche ni de zèbre. On tente un move là pour l'Irai avec ses 2 scouts. Rendre ouais. L'économie de manière assez confiante. Pour le moment, on trouve pas forcément de péon à sniper. On a que 2 scouts en même temps. Non mais c'est déjà positif parce qu'on prend vraiment la connaissance de la mode de son adversaire petit à petit. C'est vrai. Et pareil, une grosse pression une nouvelle fois pour l'Irai qui envoie directement 2 archers sans fletching avec un lancier en plus. Fletching en cours. Hein. Alors qu'on a 2 écuries, hein. J'avais pas vu pour Hera, 2 écuries oh. Avec ligne de sang qui est popée instantanément. Peut-être une volonté du coup de partir sur full scout. Hein. Ouais ouais, peut-être un peu prématuré par contre, hein. Aussitôt de rajouter 2 écuries. Et premier péon hein, qui est pris par l'Irai, très très bonne pression. Hein. Beau combo là, très rapidement, dans la base d'Hera. Ouais, puis ce piqué dans la compo en plus de ça, qui vient de se faire sniper salement d'ailleurs, rend la défense assez difficile quand même pour Hera. Effectivement, et on rappelle en plus, alors c'est pas lui qui est birman. On reprend un péon, hein, ouais. Attention par contre, faut peut-être fight les scouts là. Plutôt bien joué hein, de la part de l'Irai pardon, sur ce move. Ouais, il va reprendre un péon encore oh, une fois. Oui. Hein. Bien joué, peut-être même une deuxième. Oh là 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 là, c'est très bien joué de la part de l'Irai là. Hein. Ouais, ouais, qui a déjà 3 villageois d'avance du coup. Et il arrive à préserver maintenant pas mal de scouts. Est-ce qu'il va s'offrir un petit scout sur le retour? Ah, c'est vrai, et peut-être même un deuxième. Wow. Il a Bloodlines également, hein, l'Irai. Alors qu'on a même. On a même le plus 1 attaque qui est cliqué par l'Irai. Extrêmement bien joué. Hein. J'ai l'impression que le... Je sais pas si t'as le compte de nourriture des deux côtés, mais j'ai l'impression que l'économie staff fait déjà la différence là. Hein. En termes de cumul, tu veux dire? Non, ouais. Je peux pas le voir ça malheureusement. Ok. Je vais pouvoir le voir, moi bon, je vais regarder. J'ai la nourriture en banque, mais j'ai pas le time malheureusement. Bien joué de la part des rats, on essaie de cacher les renforts du coup, c'est plutôt bien fait. Ouais, c'est vrai qu'Hera il a réussi quand même à aller chercher un full wall sur cette map. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on voit quelqu'un sur Atakama qui arrive à ce full wall. Hein. Et par contre, du coup, pour l'instant, pas de bois au milieu. Hein. On se contente des petits bois. C'est le problème, effectivement. Et en gros, ça va être compliqué. Hein. Et on peut voir également que dans son full wall, malheureusement, il a réussi à intégrer aucune pierre. Donc, si son plan de jeu à terme c'était de choper de la pierre pour faire des arambais, bah là, malheureusement, ça va pas être possible. Hein. Ouais.
Il y a pas mal d'archers là, hein, donc une pression qui commence à être assez importante. Et un liré qui... On continue à masser les scouts, hein, pour Hera. Et un liré qui va commencer à s'étendre, hein, sur la grosse forêt là, ça y est. Mm. Et je crois qu'on va pas tarder à cliquer château pour liré. On a arrêté de faire des... unités militaires avec cette petite pression qu'on met. On en profite. Et ouais, on va cliquer, hein. Ouais, non seulement on va cliquer. Wall, hein. On wall son or très intelligemment, hein, de la part de liré au cas où Hera aurait envie de faire une contre-attaque. Et fight qui est engagé maintenant devant chez Hera. Avec pas mal de scouts, hein, du côté de Hera. Ouais, c'est pas mal, on c'est notre fight. On va trade du mieux qu'on peut, hein, pour l'IRS, ça va être clean, hein, pour Hera. Mais au prix de pas mal de scouts, hein. On va en reprendre un là sûrement. Ouais, bien joué, bien target de la part de l'IRS. C'est clean. C'est clean, c'est clean, c'est une bonne menace d'éviter là maintenant pour Hera. Il y a l'IRS qui va cliquer dans très peu de temps. L'avantage en plus, c'est qu'il va cliquer avec Brouette. Ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on peut le voir, Hera, pour le moment, lui, ne l'a pas. Par contre, il a oublié l'upgrade des fermes, notre ami Liré. Attention, on a quand même pas mal de fermes. On a ouais, beau être. On en refait en plus, ouais. On a beau être slave. Ouais, ça aurait été intéressant, effectivement, de faire cet upgrade, ouais. Ok, ça y est, on a les ressources, on va cliquer maintenant. Voilà, c'est Q. Et c'est cliqué. Il faudra la popper, effectivement, cette upgrade des fermes, là. On va refaire un move là pour Hera. Il y a quand même pas mal de piqués en défense, là. Hein. Un d'attaque, on rappelle, hein. À part avec un timing, je vois pas comment on peut choper un péon, là, pour Hera. Alors du coup on décide de sortir de sa base, hein, pour Hera, et on va aller prendre le bois au milieu du coup. Hera qui a judicieusement aussi, Liré pardon, qui a judicieusement wallé son or, on peut le voir. Ouais, vraiment prendre aucun risque là, et il a raison. C'est ça, il a wallé son or et il a son armée qui protège le bois. Alors on continue à faire des scouts, hein, et on a l'up de l'or qui passe, mais toujours pas l'up des fermes, hein. C'est vraiment dommage, il a dû l'oublier Liré. L'up des fermes, l'up des fermes a été fait, hein, du côté de Tiliré. Ah bon, elle a été faite, ok, pardon, ouais, j'ai raté, tant mieux. Parfait, parfait. Et Hera, par contre. Ok, ça y est, bah justement, il rajoute une deuxième écurie, Liré. Qui fait sens, hein, avec les slaves, on a envie de partir sur des knights. Bien sûr. Hera, par contre, lui, cliquera château, mais sans brouette. Ouais. Et la deuxième écurie, comme tu l'as dit, qui va popper du côté de Tiliré. Alors que l'on a une fois de plus, hein. Très bon play, hein, de la part de Liré, qui est en train de voler son deuxième or, du coup. Avec une tour juste à surveiller ses fermiers là. C'est intéressant, hein, la tour que pop Hera, parce que il a cliqué château, il aurait pu avoir envie d'attendre tout simplement de passer château pour poser un forum au milieu, mais non, il préfère poser une tour directement. Beaucoup de lanciers là, hein, pour l'IRE, mais ouais, on arrive quand même à prendre des péons là. Hein. Et je pense qu'il a pas arrêté de leur poser cette tour parce que là il y avait un sacré petit nombre d'archers là qui arrivent, qui vont se transformer en crossbow plus 2. Ah, il a pas l'info sur l'or du coup en fait l'IRE, mais il va être bien inspiré justement de se diriger par là parce que c'est exactement là qu'il est leur principal de. Après il y a peut-être moyen d'aller chercher un fast wall avec une porte qu'on pourrait incliner justement de manière à gagner du temps. Ouais. Et ça sera le wall marché proposé qui marche aussi très bien dans l'absolu. Un peu moins bien une fois qu'on a les crossbow avec plus 2 pour le coup. Ouais, on a fait on. C'est vrai. Est-ce qu'on a un autre or? Oui, on a un autre or éventuellement pour Hera. Le problème, c'est que si on laisse rentrer, quoi qu'il arrive, on va avoir de l'idle, notamment au niveau des fermes. Et ça rentre, ça y est, ça va rentrer sur l'or. Et Hera qui va arriver impérial, château pardon, avec une grosse économie en banque. Hein, ah, regarde, ouais. Il a presque on de quoi cliquer impérial. Du coup. Là, je pense que si. Des knights, on te sort des knights sur 3 écuries avec le plus 2 instantanément. Le problème, c'est qu'on va avoir un combo plutôt intéressant, hein, du côté de Liré. Ouais, très très intéressant avec des knights plus des crossbows. C'est un combo très fort, effectivement. Les scouts au nord de la map qui se font chasser par deux knights, rien de très intéressant à relever là-bas. Et Hera qui décide de poser un deuxième camp de bûcheron en haut de cette forêt, justement. Pendant ce temps-là, on snipe quelques péons. On va faire encore plus de kills. On va faire encore plus de kills à droite. Attention, regarde sur dans la base de Hera. Ouais, je suis beaucoup, dessus. Beaucoup de villageois là qui se baladent. Allez, on fait des maisons en maison pour essayer de délocaliser ces villageois, mais malheureusement, ouais, Liré est attentif, hein, il les suit bien. Effectivement, là il y a des vrais coups qui sont donnés. 47 villageois à 35. Et ce move qui ressemble énormément au move qu'Hera avait fait dans la game sur Arabia juste avant, ouais, dans l'économie Liré. On prend énormément de villageois. Et on target les villageois maintenant. C'est très bien fait. Très bien joué. Incroyable ce move de la part de Liré, incroyable.
Pendant ce temps-là, on va même prendre la tour. Hein. Pendant ce temps-là, Lyrae était occupé ouais, à défendre. Hera, pardon, était occupé à défendre. On va sortir un petit éléphant pour essayer de compenser. Mais le mal est fait. La tour tombera. Et Monastère, hein, qui avait déjà été anticipé par Lyrae avec un moine qui est déjà en production là. Effectivement, Hera qui se fait un peu malmener. Hein. Très très bien mené de la part de Lyrae là. On va essayer de repartir avec les scouts pour Hera peut-être. On va pas trop de prendre de fight contre ces éléphants avant d'avoir les moines, pardon. Ouais, c'est refast wall hein, de la part de Hera. On va essayer d'éviter d'avoir à resubir une défense, une attaque surtout de la part de Lyrae, ouais. De devoir défendre. Par contre, sur l'or, on a pas réparé la palissade en feu là. On a supprimé le marché, ça va rentrer à nouveau pour ouais, Lyrae du coup. C'est terrible. Façon proposée peut-être. Avec la fermière aussi peut-être. Oui, bien joué, très très bien joué. Belle réactivité de la part de Hera. Effectivement, pas mal qui est partout, hein, qui doit réparer un peu partout. On regarde aussi au niveau du bois là, au niveau du milieu de map. Pour Hera, à terme, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un Lyrae qui aurait envie de poser un atelier de siège. Hein. Et ah, il est là. Justement. Il est là cet atelier de siège, effectivement. On a deux moines maintenant. Il va falloir faire attention à Hera de pas faire convertir ses défenses. Enfin, cet éléphant en l'occurrence. Alors qu'on micro bien du coup avec Lyrae pour essayer de s'en débarrasser. On s'en débarrasse. Et Hera qui est un peu largué, hein. 37 villageois contre 60. Ouais. Upgrade écho, ça dit quoi pour Lyrae? Il a le ferme surtout en particulier la deuxième. Il a tout que du féodal. Ok. Hop, du bois, il y a la deuxième? Non. Ok, ok. Et on ouvre avec Scorpion du coup dans un premier temps. On va essayer de se rabattre sur une deuxième écurie. C'est vrai que si on arrive à les choper. Les scouts de Hera qu'on a réussi à garder. Oh les moines. On va sniper les moines, c'est bien joué ça de la part de Hera. Ah c'est terrible. Très très bien joué. On voit les knights hein, qui sont en haut, qui ont perdu la trace du coup des scouts qui sont plus rapides. Un peu à l'image de ce que vous avez proposé hein, contre Tato. Non contre. Si contre Tato hier sur Frigid Lake. Non c'était contre. Non tout à l'heure contre Mysterio, pardon. Avec les scouts qui tournent autour des monastères. Attention, on a un autre moine là du côté de Chira. On va peut-être pouvoir prendre quoi. Et on prend une conversion. On va prendre une conversion, mais il y a beaucoup de knights. Hein. Il y a ouais. Beaucoup de knights. Pas sûr que ça suffise. On a à peu près les mêmes upgrades. Hein. On a le plus 2 d'attaque au lieu du plus 2 de défense pour Hera. Et ce scorpion qui permet de taper les villageois hein, et de mettre une bonne pression sur le bois. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Il y avait un spot ici. Hein. Moi, j'imaginais plutôt un mangono derrière la forêt. Mais là, le scorpion il fait un bon travail également. Ouais, on a 3 villageois hein, qui travaillent sur le bois pour Hera, c'est dramatique. Ouais. Et du coup, les ouais. Cas, il va se creuser. Hein. 30 villageois d'écart. On va faire un marché pour Hera, mais malheureusement, là, avec une économie aussi mal balancée, je vois pas à quoi ça va servir. Mine de rien, il arrive à clean pas mal, hein. Il clean beaucoup d'armées hein, du côté de Lyrae là. Ouais, le problème c'est que Lyrae il peut reproduire derrière, hein. Il peut reproduire très facilement. Au bout d'un moment, ça va être compliqué hein, d'égaliser. On va ajouter d'ailleurs une 3ème écurie. Hein. Et un combo Lyrae. Et un combo avec des piquiers, ça c'est pas mal non plus. Ouais. Parce que Hera malheureusement avec son économie désastreuse il peut pas se permettre un switch quelconque là, c'est pas possible hein. Qui est d'autant plus intéressant que en plus ça prépare pour le late game. On rappelle que les slaves ont une infanterie très forte avec le bread unique, Virginia. Et ouais, 3ème TC d'ailleurs qui pop pour Lyrae. Ouais. Il va encore un peu plus accentuer son. Puis on rajoute, on rajoute une écurie, on est sur 3 casernes, ouais. 3 écuries, 3 TC. C'est juste archi GG normalement là. Y'a pas de comeback possible. Hein. Et comme quoi, Akatama était un bon pick pour Lyrae. Une bonne home map pour le coup, puisque c'est quand même bien attention, maîtrisé. Par contre, de pas s'empaler pour Lyrae. On va réussir à tuer le moine avant la conversion. Non. Oui. Non, y'a eu conversion. Tout juste. Ouais, et Lyrae qui. Hera, pardon, qui retourne hein, récupérer du bois au milieu de map. En même temps, je crois qu'il a plus beaucoup de choix là. Parce que dans sa base, y'a plus beaucoup de bois non plus. Non. Et on part contre-attaquer, alors je pense pas que ça soit très grave, hein, parce qu'on a des casernes à la maison pardon, pour Lyrae. On va vite pouvoir faire des piquets. Hein. 3 casernes. Et on fait un peu de haras, on prend quelques bûcherons hein, dans l'économie de Hera. À ce même moment, Hera arrive dans l'économie de Lyrae. Je vais vous refaire tous les joueurs du tournoi les gars, c'est incroyable. Et donc The Max, tiens mais qui force les fermes qui sont piétinées par les Knights d'Hera. On va y laisser quelques villageois hein, pour une conversion. Ouais, une seule conversion pour Lyrae. Mais on peut se le permettre, on a quasiment 40 villageois d'avance. Ouais, effectivement. Pour Lyrae, et regarde une fois de plus, hein, on vient d'arraser le bois de Hera.
Ah, une fois que ces knights vont partir là, ça va être très compliqué hein, pour Hera. Ouais, là il en perd pas mal déjà. 85 villageois, hein, c'est beaucoup. Là je pense que Lyra il peut faire plus ou moins ce qu'il veut. Et ce qu'il veut c'est spammer de l'armée, on peut le voir. Hera peut pas remonter cette game, Gaspo, c'est juste pas possible. La non, différence, pas possible, là. Différence économique est trop forte et en plus il peut même pas rendre les coups en fait. L'économie elle est trop safe chez Lyra. Il y a des forums et des piquets partout. Donc il peut rien faire. J'aimerais bien voir élevage là pour Lyra. Ça pourrait être sympa pour être encore plus rapide pour tuer les moines ou pour raid les péons. Ou tout simplement rattraper les knights ennemis d'ailleurs. Mmh. Il y a une transition sur la pierre qui a été faite hein, du côté de chez Hera avec 12 mineurs de pierre. Ah, on a la volonté hein, de vouloir sortir des arambées à terme mais. Et on a que 12. 200 de pierre là, on stock 250. Ouais, il arrive à prendre des trades plus ou moins intéressants. Hera, c'est d'ailleurs lui qui est devant au KDA. J'ai énormément de mal à comprendre comment il peut faire pour sortir autant de knights avec seulement 12 fermiers. C'est assez curieux, je trouve. Là, Lyra, il pourrait presque partir sur un full piqué. Hein. Il fait full piqué et Hera pourrait strictement rien faire en fait. Ah ouais, c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant d'ailleurs. Est-ce qu'on a Charatabra pour tu dirais Oui. Non, pardon. Non. On a Brouette seulement. On a Élevage qui pop enfin, ça va être intéressant ça. On va reprendre encore 3 péons là. 2 péons en tout cas. Grosse fight là. Il y a beaucoup d'armées, hein, beaucoup d'armées ouais. Pour virer maintenant. Il y a même beaucoup deux moines notamment. Ouais, il y a même deux moines qui vont eux aussi pouvoir éventuellement convertir ou alors soigner. Et c'est GG. Ouais, c'est terminé, complètement terminé. Ouais, ça c'est fou. Très bien joué de la part de Lyra. Une fois de plus, ça a été très agressif, notamment avec ce premier move, hein, avec quelques scouts et 3-4 archers plus de lanciers. Ça a mis beaucoup en difficulté Hera, qui était parti sur un play 2 écuries. Peut-être un peu prématuré du coup. Hein. Mmh, ouais, ah, c'est vrai que la deuxième écurie pop un peu tôt maintenant. Est-ce que ça crée un problème? Je pense pas. Je pense pas que ce soit dramatique. Une archerie pour tirailleur, je sais pas. Pour des archers lui-même, aura peut-être été plus judicieux. Il y a eu, cela étant dit, un excellent move hein, de la part de Lyra avec ses scouts sur le féodal. Hein. Il prend 3-4 péons, je crois. C'est vraiment très bien exécuté. Hein. Ouais, c'était complètement fini, hein. 100, le double de péon, 100 à 52. Ouais.